Ballon toujours pour les Catalans. Mêlé avec Hume. Ballon libéré. On repart dans l'autre sens. Il vient jouer dans la porte. Avec Sid qui a pu donner ce ballon à Gély. Gély avec Cazenave. On recule le côté catalan, mais on est toujours en possession du ballon. Et c'est Tolita qui va remettre tout le monde dans le sens de la marche. Avec ce ballon pour Bourus qui l'a lâché, récupéré par Suta en faveur des Toulonnais. Pas de rack, il pouvait récupérer ce ballon. Wilkinson, il y a des espaces, il y a un surnombre. La Chistera magnifique de Von Nicker. Wilkinson qui a pu trouver le Romanou. Romanou qui accélère, il évite le plaquage pour revenir à l'intérieur. Pour retrouver Fabio Simré qui va aller marquer le troisième essai des Toulonnais. Synonyme pour l'instant de bonus offensif pour les Varois. Ah, le geste de Van Niekerk. Alors que le public s'emballe, les journaux sont lâchés. Quel bel essai de la part des Toulonnais. Suite à un ballon subtilisé aux Catalans. Les Catalans qui avaient fait un gros effort, qui étaient venus mettre la pression sur Toulonnais. Et là, regardez Wilkinson qui impulse. Redoublement sur Van Niekerk. Passe au cordeau un petit peu derrière Loamanou qui était un petit peu avancé. Et là, Loamanou qui transmet ce ballon d'une main à la néo-zélandaise, à la Sonny Bill Williams. Et Van Niekerk, le joueur hors norme. Qui, ah oui, exceptionnel. Parce qu'une Chistera déjà, c'est pas simple. Faire une redoublée, ça arrive assez régulièrement, mais faire une redoublée avec une Chistera, c'est quand même très compliqué. Je vais mettre un petit bémol, quand même, demander.